Dieu, Bouddha, roi des démons, j'ose pas le lire. Excusez-moi, mademoiselle, je veux juste vous rendre ça. Nana, qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? T'es au travail, je te rappelle. Enfin, ça y est, le printemps est arrivé, c'est la rentrée. Depuis le temps que j'attendais ça. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que ce que j'ai fait ce jour-là ressemblait un peu à une fugue. Mais apparemment, quand ils sont tombés sur mon petit mot, mes parents n'ont pas été du tout surpris. Chez nous, on était trois sœurs. L'aînée avait 2 ans de plus que moi et la cadette, 2 de moins. Et je peux vous dire avec nous, la famille était plutôt animée. En plus, je me souviens qu'à l'époque, je n'arrêtais pas de tous les tanner en leur disant que je voulais partir faire ma vie à Tokyo. Alors mes parents ont dû être contents qu'une de leurs petites chippies s'en aille enfin vivre de son côté. Après tout, c'est un peu eux qui m'ont encouragée à partir. Certains éprouvent un sentiment de tristesse quand ils quittent leur foyer. Mais moi, quand je suis partie de la ville où j'avais passé 20 ans, je n'ai rien ressenti de tout ça. J'étais tellement contente à l'idée de devenir enfin indépendante et d'aller m'installer à Tokyo. Mon cœur était rempli d'espoir et d'attente. Dorénavant, je pourrais voir Shoji tous les jours sous le ciel de cette ville magnifique. Terminez les mails et les coups de fil. On pourra parler face à face tant qu'on voudra. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. En raison de... Il est archi bondé, ce wagon. Ce train aura 40 minutes. Vite, il faut que je m'assoie pour envoyer un mail à Shoji. Excusez pour ce désagrément. S'il vous plaît. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qui lui prend de piler comme ça? Est-ce qu'on a eu un accident? Tu vas bien? Je vais bien. Pardon, j'ai fait tomber votre guitare. C'est rien. Tu as dû te cogner la tête dessus. Je suis désolée. Pas de soucis. Excusez-moi, je voulais vous demander... est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Je t'en prie. Qu'est-ce qu'elle est belle! Et puis elle a une de ses classes. Cette fille dégage une aura différente de celle des gens ordinaires. Elle est mince, avec le visage allongé. On dirait une rockstar. Oh, et puis elle a des cils super longs. J'aimerais bien pouvoir me maquiller autant. Y a pas à dire, les jolies filles, tous les looks leur vont. Oh, une bague Vivienne Westwood! Ça m'a l'air d'être un vieux modèle en plus. Décidément de plus en plus la classe. Ça te dérange que je fume? Pas du tout, ça me pose aucun problème. Bon, alors il attend quoi? Hein? Mais le conducteur du train, ça fait un quart d'heure qu'on est arrêté au milieu de nulle part. Mais oui, c'est vrai, comment je vais faire? Je suis pressée, il y a quelqu'un qui m'attend. Ah oui? C'est vraiment pas de bol. Heureusement, je suis équipée. Je vais lui envoyer un message. Et voilà. Ah, dis donc, tu tapes vachement vite! Entre Internet et les portables, les collégiennes, c'est plus ce que c'était. Pardon, mais j'ai 20 ans révolus. Hein? On a le même âge alors, j'aurais jamais cru. J'aime bien sa façon de rire. Quoi, le même âge? Attends un peu, t'es sérieuse? Alors ça, c'est la meilleure. Quand je pense que tu m'as prise pour une collégienne, franchement, tu me donnais quel âge? Laisse tomber, tout ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal avec ces gadgets. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Suite aux importantes chutes de neige, ce train va devoir rouler au ralenti. C'est pas vrai? Oh mais enfin, à quelle heure est-ce qu'on va arriver à Tokyo? Tu vas faire quoi là-bas? Si c'est pas indiscret. Eh ben, j'ai décidé de sauter le pas et de m'y installer. Je pense que j'aurai pas trop de mal à trouver du travail. Ça nous fait 2 choses en commun. Ah bon, tu t'y installes aussi? Mm-hmm.
Ça, c'est dingue. J'étais prête à parier que t'habitais à Tokyo. Tu rentres pas d'une tournée, alors? D'une tournée? Oui, ou bien d'un concert en province. Comme t'as une guitare, je pensais que t'étais musicienne professionnelle. Mais sinon, tu joues dans un groupe? Ouais, avec des copains de ma ville natale. Oh, je t'envie, tu sais. Et t'es originaire d'où, au juste? Oh, j'ai un message. Ah non, c'est un appel. Bureau de Nana, j'écoute. Oh, c'est toi, Shoji. Écoute, laisse tomber, je vais être très en retard. Le train s'est arrêté en pleine cambrousse. Ouais, c'est ça, c'est à cause de la neige. Vu comme c'est parti, on va arriver au beau milieu de la nuit. Ça t'embête pas, t'es sûr? Merci, c'est super gentil. Bon, je te rappelle dès que j'en sais un petit peu plus, d'accord? À tout à l'heure, bisous. Ton copain habite à Tokyo? C'est sérieux entre vous deux? Attends, laisse-moi deviner, c'est l'amour de ta vie et tu montes à Tokyo pour le suivre. Non! Enfin si, c'est un peu pour ça en fait. Voudrais savoir. Shoji et moi, on a grandi dans la même ville. On était très proches tous les deux, on a fait nos études dans la même école spécialisée. Seulement il y a un an de ça, il est parti à Tokyo. Il a fait ça pour entrer dans une fac artistique. Je comprends pas, t'as pas eu envie de partir avec lui à l'époque? Bien sûr que si, je lui ai dit que je voulais l'accompagner. Qu'est-ce que tu crois? C'est lui qui a refusé. Pourquoi? Il m'a dit que si je n'avais ni argent ni objectif bien précis, alors ça ne servait à rien de partir s'installer dans la capitale. Ouais, ça c'est clair. Et donc, malgré mes larmes, je suis restée dans ma petite ville et j'ai travaillé pour économiser. Et j'ai promis à Shoji que s'il réussissait l'examen d'entrée à la fac, je le rejoindrai. Une fois à Tokyo, je vais trouver un boulot et je vais travailler dur pour pas avoir à repartir. Excuse-moi, je sais pas ce qui me prend. C'est pas mon genre de raconter ma vie à des inconnus. Ça me dérange pas, va. Continue à me raconter ton histoire. Le trajet risque de durer encore longtemps. Ça nous occupera. Vu ce qui tombe dehors, t'as sûrement raison. Tu veux bien qu'on continue à arder? C'est parfait parce que justement, j'avais envie de parler de lui. De Shoji, je veux dire. Non seulement il est vachement gentil, mais en plus, il est super mignon. Des fois, quand il parle, il a l'air un peu bête, mais bon. Sois beau et tais-toi, quoi. Oh, tiens, si on se commandait une bière? Oui, d'accord. S'il vous plaît, monsieur, deux bières. Attends, on va trinquer d'abord. À quoi tu veux trinquer? À la réussite de Shoji? Oh non, je le connais même pas. À quoi tu veux qu'on boive alors? Aux rencontres dans le train? Oui, ça c'est une bonne idée. À la rencontre de deux filles du même âge qui prennent le même train pour monter à la capitale. C'est pas tous les jours que ça arrive une coïncidence pareille. Et puis, il n'y a pas que ça. L'autre chose qu'on a en commun, c'est notre prénom, Nana. Tu te souviens du jour où on s'est rencontrés? Dehors, il neigeait à gros flocons. Le train roulait, puis s'arrêtait. Au final, il nous a fallu 5 heures pour arriver à Tokyo. Et pourtant, je ne me suis pas ennuyée du tout. Maintenant que j'y repense, je me rends compte que je n'ai fait que parler de moi. Pas une fois, je ne t'ai demandé quoi que ce soit à ton sujet, Nana. Mais j'imagine que ça t'arrangeait un peu dans un sens et que tu n'avais pas trop envie de parler de toi. Nana! Shoji! Pourquoi tu pleures? T'es pas contente de me voir? Oh, arrête de te moquer de moi, c'est pas sympa. 5 heures de train, t'as dû trouver le temps long. Heureusement, j'étais... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai sympathisé avec une fille pendant le trajet. Ah bon? On est sortis du train ensemble, mais je la vois pas sur le quai. C'est dommage, j'aurais bien aimé te la présenter. Est-ce que je peux être bête? J'aurais dû lui demander son numéro de portable. Si elle te l'a pas donné, peut-être qu'elle voulait pas vraiment que vous deveniez copine. Ne sois pas triste comme ça. Kyosuke et Junko sont venus aussi. Thank you.
planter là, tu viens? Oui, j'arrive. Une petite seconde. Si je comprends bien, ça ne lui pose aucun problème que je dorme chez lui. Comme tu m'as prévenu au dernier moment, j'ai pas pu ranger. Je suis désolée. Hein? Je débarque à l'improviste, ça doit t'embêter. Au départ, j'avais cru comprendre que June m'hébergerait quelques jours, le temps que je trouve un appart. Bah oui, mais ça va pas être possible. Ils habitent ensemble maintenant, nos tourtereaux. Quoi? Hein? Mais j'étais pas au courant. June n'y a jamais fait allusion, et depuis quand ça dure? Je peux pas te donner de date précise. Ce qui s'est passé, c'est que Kyosuke s'est installé chez elle petit à petit. Alors c'est pour ça qu'il m'a invité chez lui. T'as gardé tes chaussures? Toi alors? Tokyo est encore au Japon, tu sais. Franchement, c'est inacceptable. De quoi tu parles? T'es déjà en train d'essayer de me déshabiller, espèce d'obsédé. J'espère que Shoji et moi, nous allons finir comme Kyosuke et Junko. Je veux vite oublier tout ce temps où j'ai vécu loin de lui. Ah, oh, ce que je suis heureuse. Ça, c'est pas de veine. Moi qui pensais me lever tôt pour pouvoir lui préparer un bon petit déjeuner. Oh. Avant que Shoji ne rentre, grand nettoyage de printemps. Non mais regardez-moi, franchement, on dirait pas une jeune mariée. Si seulement je pouvais vivre comme ça, à prendre soin de mon petit chéri tous les jours, ce serait le bonheur. Dis donc, mais c'est vachement bon, Nana. Je peux savoir pourquoi tu dis ça avec un air étonné? Parce que je te croyais pas aussi douée pour la cuisine. Ah oui? Eh ben t'avais tort. Mais t'en fais pas, je te taquine, c'est très bon. T'es un vrai cordon bleu. J'y ai passé 3 heures, mais ça a marché. Au fait, ça s'est bien passé à l'agence immobilière? Est-ce qu'il y avait des offres? À vrai dire, j'étais tellement occupée que j'ai pas eu le temps d'y aller. Laisse-moi deviner, t'as préféré commencer par chercher du boulot. Raconte, t'as trouvé quelque chose? Mince, j'avais complètement oublié qu'il fallait que je trouve du travail. Ne me dis pas que t'es restée ici à rien faire. Mais non, enfin, si, je suis restée ici, mais j'ai fait le ménage, la lessive, c'était une journée vachement remplie. Attends, tu te moques de moi? Au cas où ça te serait sorti de la tête, t'es pas venue à Tokyo pour faire ça. Tu m'as promis que t'allais tout faire pour trouver du travail et devenir indépendante, à moins que j'ai mal compris. Qu'est-ce que tu racontes? Si j'ai fait toutes ces corvées, c'était uniquement pour te faire plaisir. Pourquoi est-ce que je lui parle comme ça? Faut pas que j'insiste. Merci pour le repas. Laisse, je vais débarrasser. Non, c'est pas la peine. Je peux le faire moi-même. Ici, vous ne trouverez rien de bien à moins de 50 000 yens par mois. En me serrant la ceinture, peut-être que j'arriverai à payer un petit peu plus, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver un arrangement pour les honoraires et la caution? Si, mais dans un bâtiment ancien, est-ce que ça vous conviendrait? Il ne demande ni caution ni honoraire. Pour une telle surface, c'est une affaire. Et on peut même avoir des animaux. Alors, vous voulez le visiter? Voilà, nous sommes arrivés. C'est ce grand immeuble-là, en briques rouges. Pour ce qui est d'être ancien, ce bâtiment semblait effectivement avoir été construit longtemps avant ma naissance. Ce qui ne l'empêchait pas d'avoir beaucoup de caractère. Son architecture à l'occidentale m'a plu au premier coup d'œil. Pour ce qui est des détails pratiques, l'appartement se trouvait au 7e étage. Sans ascenseur, bien sûr. Mais autant que l'immeuble, c'est le quartier avec toute cette verdure et la proximité de la rivière qui m'a attirée, moi, la fille de la campagne. Qu'est-ce que... Je suppose que vous faites partie de l'agence Niamis. Dites, est-ce que ça vous ennuie si je fais visiter? À vrai dire, oui. Et voyez-vous, ma cliente était justement sur le point de prendre sa décision. Bien toi, tu parles d'une coïncidence, je reviens pas. T'es qui toi? Je passe donc tellement inaperçue que cette fille m'a déjà oubliée. Ah mais oui, excuse-moi, comment ça va depuis le train, Nana? Tu te souviens de moi alors? Oui, au début je t'ai pas reconnue, à cause de ta coiffure, et t'as changé de fringue. En fait, t'as pas vraiment de look. Excusez-moi, mais vous êtes amies toutes les deux? Elle est moi amie? Le mot est un peu fort.
Et quoi qu'il en soit, vous, mademoiselle Ozaki, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous décidez alors? Est-ce que vous le prenez? Je sais pas, je me tâte encore. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient pendant que vous réfléchissez, je pourrais faire visiter l'endroit à cette demoiselle. Ouais! Elle est trop chieuse, cette cuisine! Et la chambre est gigantesque! Oh, c'est pas vrai, une baignoire à pattes de lion! C'est bon, je le prends! Vous êtes sûr? Attendez un peu! Je te signale que j'ai trouvé cet appart la première. C'est pas à toi de décider. T'as raison, je suis désolée. Oui, il y a de quoi? En voilà des manières! Enfin, il faudrait savoir. Je croyais que votre cliente avait besoin de réfléchir. C'est tout réfléchi, je le prends. Yokoi? Ah, s'il te plaît, attends! J'attends rien du tout, j'en ai plus que ma claque de devoir dormir dans des hôtels tout pourris. Je veux un appartement, comme tout le monde, n'importe lequel, du moment que... N'importe lequel? Dans ce cas, trouve-t'en un autre. Moi, je vais vivre ici et pas ailleurs. Ah ouais, je croyais que t'étais venue à Tokyo pour vivre avec ton mec. Il t'a acheté, c'est ça? Quoi? Non. Mais si je m'active pas un peu, c'est sûrement ce qui va se passer. Pourquoi tu dis ça? Je croyais qu'entre vous, c'était le grand amour. Mais ça l'est. Oh, écoute-moi. Mademoiselle, au lieu de parler de ces banalités, vous pourriez peut-être vous décider. Des banalités? C'est très sérieux, au contraire, je m'inquiète vraiment au sujet de notre relation. Yokoi, oui? Comment est-ce que vous pouvez faire ce boulot en étant aussi insensible? Vous devriez avoir honte. Je suis désolé. Ça m'énerve, les mecs comme vous, il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi les sentiments. Allons, mademoiselle, inutile de vous mettre dans un état pareil. Les sentiments. Si vous voulez bien prendre le temps de m'écouter, j'ai une proposition à vous faire. Et tu peux m'expliquer d'où tu le sors, le papy? C'est Monsieur Ando, il dirige l'agence immobilière près de la gare. Tu peux lui faire confiance, ça fait 52 ans qu'il exerce ce métier. Inutile d'avoir beaucoup d'expérience pour s'apercevoir que vous vous entendez très bien toutes les deux. Donc que diriez-vous de partager cet appartement? Entre les deux chambres, vous avez le living room. Ainsi, pas de promiscuité. Vous pourrez avoir une vie privée sans que l'autre en profite. Et en plus, ça pourra vous permettre d'avoir quelqu'un près de vous en cas de souci. Quand on y réfléchit, c'est plutôt avantageux, la colocation. En plus de ça, le loyer et les dépenses quotidiennes se trouvent divisés par deux. Divisés par deux? 70 000 yens par deux. 35 000 yens? Pas cher! Alors, Nana, t'es partante? Et juste une question, est-ce que je dois comprendre qu'on divisera la commission par deux? C'est passé l'occasion! C'est vrai que c'est un bon plan, seulement est-ce que tu seras capable de respecter ma vie privée? Je te promets de toujours frapper avant d'entrer! Si la protection de votre intimité est à ce point importante, pas de problème. Il n'y aura qu'à rajouter des serrures aux portes de vos chambres. Je peux vous les commander dès maintenant si vous voulez. Oh, merci, monsieur Ando. Vous au moins, vous êtes quelqu'un de bien, pas vrai, Nana? Mademoiselle Ozaki, je sais que c'est un bon prix, mais à votre place, j'y réfléchirai à deux fois. Croyez-en mon expérience, vivre en colocation, c'est beaucoup d'ennuis. Vous comprenez vraiment rien, vous. Franchement, Yokoi, vous me faites pitié. Monsieur Ando, quand est-ce que vous pensez qu'on pourra les avoir, ces serrures? Eh bien, si je m'en occupe maintenant, l'installation devrait être terminée dès demain matin. Bien, je compte sur vous. Parce que j'ai l'intention d'emménager demain dans l'après-midi. Et toi? Même chose pour moi! Dans ce cas, on est officiellement colocataire, ma petite Nana. Je ne sais pas trop pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai failli me mettre à pleurer. Tout comme celle de notre rencontre, cette journée allait rester à jamais gravée dans ma mémoire. Quant à la poignée de main qui marquait le début de notre vie commune, elle m'a tout simplement réchauffé le cœur.